Je crois que c'est un hasard si finalement je me suis retrouvée là, parce qu'en général j'ai beaucoup de travail et malgré tout ça prend du temps de regarder ces films, beaucoup plus que je n'imaginais d'ailleurs, puisqu'on m'avait dit c'est des films d'une minute. Or c'est très difficile de faire un. Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un film en une minute, si vous voulez. Est-ce que ça doit être conceptuel? Est-ce que ça doit être une idée? Est-ce qu'il y a un peu de cinéma là-dedans? Pour l'instant, je ne les ai pas tous vus, mais la question reste très ouverte. Donc, c'est un peu ça dont on va essayer de parler, peut-être le jour où on va délibérer. Yeah, cool. J'avais déjà participé, là où c'est un tout petit peu différent. C'est que j'avais été jury dans un festival aussi de téléphone portable qui s'appelle Pocket Film, mais où la durée des films est libre. Et ça change beaucoup de choses. Ça change un rapport. Il y avait un film de 20 minutes qui s'appelait Les particules élémentaires, non pas les particules élémentaires, mais enfin un truc sur un savant, etc., russe. Et du coup, il avait intégré le fait qu'avec un téléphone, il y avait des pixels, que les pixels racontaient quelque chose autour de la science. Il avait travaillé là-dessus. Et du coup, il y avait du cinéma. Ce qui est moins évident quand on a une minute, parce que c'est proche finalement de ce qu'on doit demander à des concepteurs de pub, c'est-à-dire ayez une idée, soyez le plus percutant, vous n'avez qu'une minute, etc., etc. Je suis enceinte. Tu dis rien? Je suis stérile. Comment chacun prend son temps ou comment chacun bourre la minute, parce qu'on voit vraiment qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui se disent j'ai qu'une minute, je vais essayer de mettre autant d'emporte-le-vent dedans, très souvent ça ne marche pas. Et puis voilà, quelqu'un qui tout d'un coup va se dire mais quel est, où part mon imagination, mon format, qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment, voilà, j'en suis là de mes réflexions. Vous vous demandez sûrement qui je suis. Je crois que je suis personne, comme tout le monde.